Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va customiser un cadre Halloween. Donc ce cadre vient de chez Action. Il était dans les 6-7 euros. Voilà. J'avais prévu, quand je l'ai acheté, de le customiser, d'enlever le plastique, l'image, le travailler en mix média et après de recouvrir tout ça. Sauf que il fait du bruit et il s'allume. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Bon, bref, c'est très fort. Hein? Que là, il y a un détecteur de mouvement pour, et il se met en marche quand il y a quelque chose devant. Et surtout que là, il y a un truc, je crois que c'est le système, donc de derrière, en fait. Voilà, ça, qui est là, qui est dur, mais après, c'est tout mou. Donc, je pense pas, je vais pas le démonter, du coup, je vais venir juste le travailler par-dessus, en croisant les doigts pour que ça marche, on verra bien, parce que là, c'est tout mou. Donc, par contre, je ne pourrais pas mettre de poids ici, donc je vais venir le travailler plutôt dans les tours, autour, et voir ce que ça donne. Du coup, comme c'est du plastique, je vais plutôt le travailler avec la Art Medium comme colle, pardon, et la 3D Magel de Prima. Voilà, je vais essayer de travailler avec ces deux. On va voir ce que ça donne. Du coup, là, vous êtes un peu trop. Voilà, là, ça devrait aller. Du coup, j'avais prévu, si d'un coup ça se met en route, vous inquiétez pas, parce que ça s'appuie facilement. J'ose pas l'enlever, j'ai peur de le... Je verrai avec mon mari ce soir ce qu'il en pense, puisque lui, il s'y connaît mieux que moi. Donc, en fait, j'avais prévu de mettre une hache, de vraiment le travailler. Sauf que du coup, la hache, c'est trop grand, puisque je voulais la mettre comme ça. Et que là, il y a le détecteur, donc je ne peux pas, dans les autres sens, ça ne me plaît pas. Donc du coup, je vais opter pour celui-là. Donc ça vient de chez Action. Voilà. Qui est plus petit que celui de chez Jiffy. Et je vais venir le mettre, voilà, un exemple comme ça. On va essayer de le travailler aussi avec l'étoile d'araignée. Bon. Et le filet comme ça, la toile d'araignée aussi, voilà, c'est parti, on va y aller. Du coup, je sais pas du tout où on va faire ça ensemble, puis on verra bien ce que ça donne. Du coup, j'avais prévu de le peindre en noir, la hache, mais là, vu que c'est déjà noir, on va le laisser comme ça, et je vais venir le mettre comme ceci. On va prendre du filet. Donc, toujours pareil. Alors, moi, je fais au pif. Hein, je coupe au pif. De toute façon, ça se défait. Donc, ça vient de chez Action aussi. Et il suffit de tirer. Thank you.
là, moi, je vais marquer là le prénom pour qui c'est. Et puis, puis voilà. Moi, pour moi, il est fini. Je voulais peut-être vous montrer ce que ça donne dans le noir. Parce que là, comme il fait encore nuit, alors que c'est 9h du matin. Vous voyez? Oula! Donc, je vais vous montrer comme ça. Attention, bouchez-vous les oreilles, puisque ça va faire du bruit. Donc, on y va. Voilà. Je vais rallumer. Désolée. Bon, après, on est entre nous. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, même si c'est dur pour moi de travailler sur le thème d'Halloween, je me suis bien amusée. Puisque je sais que c'est pour quelqu'un qui va l'apprécier, j'espère. Et du coup, moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.